Ma conception du vin, c'est de considérer que nos prédécesseurs ont travaillé pendant plus de 2 siècles pour mettre au point des méthodes. Et moi, je considère que ces méthodes sont totalement abouties, ont été vérifiées 100 fois, validées. Et donc, je travaille suivant ces préceptes. Alors, ce sont les préceptes des Bourguignons ou des Bordelais d'il y a 30 ans et plus. C'est pas être passéiste, en fait, c'est, il me semble, être au plus près de la vérité. Bon. On a un terroir qui se prête magnifiquement bien à faire du vin avec justement des coteaux, des sols pauvres, du vent, une hydrométrie mine de rien régulée, on a de la chaleur, on a tout ce qu'il faut pour vraiment avoir des résultats très 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 intéressants. Aujourd'hui, on a justement quelques domaines extraordinaires sur le Languedoc-Roussillon, notamment Alain Chabanon qui peut rivaliser pour moi sans aucun doute effectivement à des plus beaux cru de France. Je pense que c'est aussi une personne qui n'est pas dans la mode, qui est un peu hors du temps avec ses vins, qui a une capacité à faire du qualitatif tout en respectant le sol, tout en respectant la nature, des vins qui ne sont pas aseptisés. Et donc le personnage, moi j'ai envie de dire, comme ça, hein, c'est le Kersaison de la vigne, quoi. L'idée, c'est de respecter au maximum le terroir. Ça veut dire amener le moins d'éléments extérieurs à la vigne. Et chez nous, ça fait quoi? Plus de 10 ans qu'on ne met plus rien dans les sols. Quand je dis plus rien, ça veut dire non seulement évidemment plus d'engrais chimiques, mais plus d'amendements organiques, plus de compost, même des choses bio, on se refuse à n'importer. Parce que l'idée toute simple, c'est de dire que le végétal doit s'équilibrer sur son sol et que c'est pas à moi d'amener un complément alimentaire. On a la chance effectivement d'être présenté dans, je crois, 80 étoilés Michelin sur la France. Et pour nous, la restauration, c'est vraiment la plus belle image qu'on peut donner d'un domaine. Donc le restaurant est un élément important de notre façon de nous faire connaître. Restaurant Salier-Morin-Muzan-Lozère, bonsoir. Pour combien de personnes? Vers quelle heure environ? La particularité d'Alain Chabanon aussi, c'est que son vin est très représentatif du personnage, de son caractère et de sa façon de penser. Et la différence avec certains vignerons, c'est que peut-être qu'Alain Chabanon a cette petite particularité supplémentaire qu'on appelle le génie par moment et qui fait la différence et la force de son vin. La seule chose qui compte, c'est quand vous prenez un verre, vous dégustez. Si le vin est meilleur que celui du voisin, vous dites peut-être ce gars a raison. Si le vin, vous ne le trouvez pas meilleur, c'est peut-être que j'ai eu tort ce jour-là. Voilà. Ben, un jour, il y a un monsieur qui m'a téléphoné et qui m'a dit qu'il avait eu des émotions extrêmement fortes en goûtant mes vins. Donc d'abord, j'étais un peu surpris. Et puis finalement, c'est quelque chose que j'ai compris, que je comprends. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'on touche vraiment à l'essentiel de l'homme, c'est-à-dire le plaisir, plus au-delà, le bonheur. Donc ça, c'est quand même bien de pouvoir toucher à ça.